Eh bien bonjour tout le monde, ici K2M aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo sur Seven Days to Die. Nous sommes toujours en survie, saison 1, nous sommes dans la nuit du 11e au 12e jour. Je sais même plus quelle vidéo ça fait, mais bon. Et on va faire un petit peu de réparation. Alors ça, je vais remettre ici puisque je vais pas en avoir besoin tout de suite. On va essayer de réparer un petit peu les outils et puis développer ce qui nous manquait. Alors il me fallait ça. Est-ce que j'ai... Non. De toute façon en bas c'est de la pierre. Pierre ressource, non. Hop. Allez. Donc dans la vidéo précédente on avait fait une petite escapade. Oui, parce que c'est la vidéo de jour. Et dans la vidéo de nuit précédente, on avait un petit peu amélioré, posé un petit peu des piliers ici, qui serviront pour les fenêtres. Et on avait amélioré ceci. Je vous avais dit que ici, c'était les fameuses meurtrières en question. Alors, je vais vous montrer un truc. Le problème, c'est que quand on enlève le bloc, on risque de tomber. Donc, l'idée que j'avais eue, c'était d'utiliser ceci. En fait, faire une trappe. L'idée de base, par exemple, c'est... Hop, j'enlève celle-là. Normalement, ça correspond... oh non, attendez. Ouais, bon, tant pis, c'est celle-là. Bref, problème, c'est qu'elle se mettait pas au bon endroit. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle se mette dessus. À peu près à ce niveau-là. Mais elle se mettait ici. En effet, la trappe, en fait, se cale sur le bloc en dessous. Ou sur les blocs à côté. Et puis là, il n'avait pas... Enfin si, on aurait pu la mettre... il aurait fallu mettre le mur juste là. Ça convenait pas. D'où, en fait, l'idée sous-jacente, c'est de faire ceci. Et voilà. Une trappe. Qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté. Et qui, accessoirement, permet d'avoir... Enfin, qui permet d'avoir un petit peu de visibilité sur ce qu'il y a en dessous. Donc c'était un moyen, enfin c'est toujours un moyen, pour avoir un, pour éviter en fait de tomber puisque on peut l'ouvrir et puis on peut passer dessus sans que ça se casse la gueule. C'est toujours appréciable. Voilà, bon c'était pas absolument mystérieux, je suis sûr que certains d'entre vous avaient déjà imaginé ce système. Alors malheureusement c'est une seule, on va dire, bah oui c'est un seul carreau, donc dans les faits la visibilité est pas géniale. Si on avait pu avoir par exemple, je sais pas moi, par exemple deux blocs ouverts ou voire trois, on aurait pu en fait tirer un peu plus à en diagonale. Là on est obligé limite d'être à peu près au dessus, mais bon, on peut pas non plus tout avoir dans la vie. Donc rapidement, on va terminer d'upgrader ce qui reste. On va aussi poser les murs intérieurs. Et alors attendez que je retrouve mon plan. Parce que bien entendu la base je ne l'ai pas, je l'invente pas au fur et à mesure. J'ai fait quelques plans et essayé quelques stratégies. J'ai fait beaucoup de dessins. Donc ça c'est fait. Dès que je regarde, est-ce que j'avais un plan pour la section inférieure? Ouais, c'est pas non plus des plus géniales, mais bon. Alors où est-ce que ça en est? Ok, ça c'est fait, on va commencer à tout réparer.
Voyons, 3, 13. Voilà, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ici. Plutôt 2, 12. On va mettre 13 comme ça, il sera comme ça, il sera comme neuf. Bah non, c'est quand même bizarre qu'il soit plus foncé. Donc évidemment, ce système de trappe, on le fera sur cette partie externe et également sur la partie interne. Vous l'aurez vite compris. Ça on va le laisser, ça ce sera amélioré, ça c'est là où il y a les trappes, là on va améliorer aussi. Alors, ok, ça c'est bon, la hache. Voyons. Donc, 9, 19. C'est fait. Ça. Voyons, 7. Bon, c'est la moitié. Donc ça c'est bon. Alors voyons un petit peu mon plan. Donc j'avais prévu. Ah ouais, d'accord. Ouais. Effectivement, ça me pose un petit problème. Parce que j'avais prévu un mur intérieur, mais il se trouve en fait ici. Cet endroit-là. Ça, c'est un petit peu gênant. Oui, c'est le mur en béton. Ouais. Peut-être falloir que je hâte un petit peu la construction de ce mur en béton. Donc, on va fabriquer un petit stock. On va mettre les échelles. Thank you.
une porte purée. Faut que passer. Bon, accessoirement, le fait de mettre une échelle a aussi un avantage, c'est que si jamais vous commencez à tomber, vous pouvez éventuellement vous rattraper. Mais ça va pas durer longtemps. Hein. Bah, ce que je veux dire, c'est que si jamais vous tombez, vous devez vous rattraper, mais vous devez le faire vite, sinon vous tombez réellement. Bon, et accessoirement, les spiders pourront pas monter puisque la trappe ne se trouve pas contre le mur. Donc ils vont donc bah, parce qu'au début j'avais pensé mettre les trappes contre les murs, sauf que si la trappe reste ouverte, un spider peut monter. C'est une petite amélioration du concept. Voyons. Le problème, c'est qu'il me faut des sticks pour faire des échelles. Donc on va faire des sticks. Sinon, je vais poser des wood frame à l'endroit pour voir un peu ce que ça donnerait. Que j'avais prévu ici une porte, ici le mur, un mur qui fait tout le tour d'ailleurs, sauf que alors ça j'avais prévu ça. Monter l'extérieur vers l'intérieur. Le fait de faire une ouverture sur la partie centrale. En fait, de faire une ouverture ici également. Par contre, là. Ah, c'est vrai que de nuit, donc je laisse imaginer arriver à cibler ce truc. Il y en a trois, donc à mon avis. Et puisque celui de là-bas est aussi un, je pense que c'est aussi un spider. On voit pas grand chose, mais ils sont en dessous. Le problème, c'est que je vois pas exactement où. Il y en a, il y a un cadavre là. Il n'était pas seul. Ouais, donc il me semble. Donc ils sont juste en dessous, mais j'arrive pas à voir où exactement. Pourtant, j'ai mis des bougies. Sauf s'ils me les ont cassées, bien entendu. Alors. Ah, j'en ai tué un. Et de deux. Voyons. 51, ouais, ça devrait faire l'affaire. Si jamais il y a... Normalement, si jamais les vitres sont détruites, je pourrais éventuellement tirer à travers. Si jamais ça se pointe un peu trop. Ouais. Il y a un spider qui en fait est contre un bloc.
Normalement, il devrait pas être dangereux. Enfin, j'espère quand même. Alors, voyons ici. On va mettre les trappes de ce côté. Comme ça. Insectes. Le problème c'est qu'on n'a pas de toit, donc on est un petit peu à découvert. Enfin un peu beaucoup d'ailleurs. C'est marrant, ouais. Vous voyez, quand je la pose en fait elle bouge la... Elle se resserre. Je vois pas vraiment pourquoi. C'est bizarre. Par contre, je vois pas le petit moustique. On va s'éloigner. Ensuite. Bon, les échelles sont encore en cours. Après, il faudra que je fasse des planches. Que je suis con parce que j'ai des wood frames donc je peux en placer quelques-unes. Un accès ici. Ça permettra de passer extérieur-intérieur. Une ouverture là, face de la porte. Et surtout, je prévois de mettre quelque chose à cet endroit-là et à cet endroit-là. Ah, vous verrez ce que c'est. Essayons de garder un petit peu la surprise. Apparemment c'est plutôt calme. Ah, il y a du mouvement. Apparemment il y a un groupe qui passe juste en dessous. Ok, ça c'est bon. Commencer avec 31, on va pas en faire des masses non plus. C'est quand même marrant ce changement de... Hop, et pouf. Comme si elle se resserrait d'elle-même. C'est con comme truc, mais maintenant que j'ai remarqué, je ne vois que ça. C'est
c'est vraiment le petit détail qui fait que. La lune est... Ah, il est déjà 6h46. Bah, disons, la nuit est passée très vite. C'est incroyable. C'est vrai que je suis qu'à 35% de nuit. Alors Kitty a préféré faire du 50-50. Bon, je préfère mieux être comme dans cette configuration là puisque pour l'instant je ne mine pas beaucoup. D'ailleurs j'avais entre guillemets tablé sur le fait que ma mine enfin qu'il n'y ait rien justement. Donc effectivement là j'ai trouvé un filon. Donc voilà. C'est con ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. Mais... Alors, là, je vais essayer de réexpliquer mon idée. C'est que simplement, j'avais tablé sur le fait que ma mine, que je trouve absolument aucun filon en creusant. Donc j'ai préféré tabler sur l'exploration, notamment du Westland, deux jours. Et me laisser... beaucoup de temps pour explorer et récupérer du métal en me disant que je trouverai du minéraux après, quitte à passer une journée à miner. C'est pas impossible, peut-être que je vais passer toute une journée à miner, hein. Bon, ce sera un peu moche pour la vidéo puisque bon, il n'y aura pas grand chose d'intéressant, mais et bon, on peut pas faire des virées des aventures dans les nouveaux biomes tout le temps, hein. Alors, attendez deux, donc c'est ce bloc là. Donc, ok, ça c'est bon. Donc il y a des arbres à couper. Voilà. Je sens que demain matin, enfin, pour le 12e, vu qu'on est le 12e jour. Et que l'avion va passer, je sens que je vais m'amuser à faire un petit peu de découpe de rondins et me tenir prêt à partir à l'aventure. Le seul inconvénient, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me dit? 13h. Non, sérieux, si c'est 13h de jeu. Ben oui, si on pense que 24h se passe en une heure, on est potentiellement encore pour 13 jours quoi. Deux semaines à avoir une jambe bandée. Ah bah merci du cadeau. Bon, accessoirement, faudra quand même que je prépare le second mur. Parce que sinon, je pourrais pas en fait améliorer mes wood frames tout de suite. Quoique c'est pas absolument indispensable en fait. Si je fais gaffe, normalement ça devrait passer. Bon, bah tant qu'on y est, bah, on va descendre. Voyons un petit peu ce que les autochtones ont à nous dire. Bon, sauf que j'ai pas de woodframe. Hop, on va tout de suite prendre ça et ça. D'ailleurs, on va redéposer ça et ça. Je suis malin. Décidément. Je vais passer là. Bon, j'ai deux wood frames là, mais bon, je vais peut-être les laisser ici. Ah, c'est ballot, il m'a vu, hein. Oh là.
attends le bois que tu te casses. Bon, je sens qu'il va falloir que je sorte d'urgence là. Allez. 1, 2, 3. Limite que je remette des wood frames histoire de réparer les parties endommagées. Oh! C'est vrai en fait ce qui est en train de casser. Alors je l'entends fort donc il est pas loin, je pense qu'il doit être au-dessus en fait. Ouais c'est ça, en fait. Ouais il doit être au-dessus. Bon accessoirement il m'a pas cassé grand chose en fait. Bon. Et pas fermer les portes en plus. Pas bien. C'est pas bien du tout. Bon. Donc la plantation va se... Ça devrait pousser tout seul. Enfin, c'est intérêt d'ailleurs, on va pas les arroser. D'autant que c'est beaucoup plus pratique puisque je crois que avant il fallait mettre de l'eau à côté, comme dans Minecraft. Pour que ça pousse... Alors je sais pas si ça, c'était pour que ça pousse pour de vrai. Savoir que vous mettiez pas de l'eau, ça pousse pas. Ou alors si c'est pour accélérer la croissance. Enfin bref. Ça, ce sera pour une... Enfin, ce sera pour une prochaine fois, ce genre de questionnement. Mais bon. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous laisse ici, il est 8h. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va couper du bois à la tronçonneuse. Et oui, est-ce qu'on peut le faire? Donc, on va le faire. Et avec un accent de merde en plus. Bref, donc je vous dis à la prochaine. Salut !